Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour The Amazing Spider-Man 2, pour le quatrième épisode. Là il y a un truc là-haut, faut que j'aille voir. Et donc bah, on va continuer, hein, comme on a fait sur les épisodes précédents. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas un moyen d'arrêter ça? Ah non, fallait juste descendre. Ah non, faut juste que je le prenne. Oh, je me suis dit, ouais, va pas falloir que je m'approche et tout. Mais si, en fait. C'est bon? Comment je le pose? Il y a peut-être un endroit où je dois le poser. Je sais pas. Jonah Jameson avant que j'arrive. De la circulation? Bah je sais pas, on va se barrer avec lui, écoutez, on verra bien. Ça a l'air dangereux. T'as une prime de risque? Ah non. J'aime des gens qui me détestent. Bon bah écoutez. On commence bien cet épisode, hein. On sauve quelqu'un. Alors si possible, je vais les faire un peu plus courts. Déclaré, si Spider-Man n'avait pas été là, je ne sais pas ce qui se serait passé. Alors ça, oui, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans le micro, c'est mon ordi qui fait ce bruit. En fait, c'est quand on débloque un succès sur la Xbox One, vu que mon ordinateur, il est synchronisé avec la Xbox. Du coup, ça me fait ça. Mais le truc, c'est qu'il est synchronisé sans que je lui demande, en fait. C'est avec l'application, avec Windows 10 et tout, enfin bref. Et ce qui est bizarre, c'est que les succès sur ce jeu, ils s'affichent pas sur la console depuis le début. On voit pas les succès s'afficher à l'écran là, alors que sur l'ordi, ils me les affichent bien. Bref, c'est pas grave. J'ai reçu le 1 aujourd'hui sur la PS Vita. L'Amazing Spider-Man 1. Je verrai ce qu'il vaut. Je vais l'essayer plus tard. Voilà. Oula, oula, oula. Calme-toi. Je verrai ce qu'il vaut pour l'instant parce que j'en ai aucune idée. Je l'ai même pas mis dans la console encore. Je l'ai reçu là il y a une demi-heure. Quoi. Je l'ai pas payé très cher non plus d'ailleurs. Là, va falloir qu'on fasse quelque chose parce que le niveau d'héroïsme il est bientôt redescendu au niveau 2. Pourtant je viens de sauver quelqu'un encore. Mais bon. Visiblement les gens ça leur suffit pas. On va essayer de maintenir un bon niveau d'héroïsme pour pas être emmerdé par les patrouilles de l'autre enfoiré là. Ah, attendez. Voilà ce qu'il faut. Hop, voilà. On va ramasser ça. Attends. Tu ne connaîtras vraiment ta proie qu'en la regardant traquer la sienne. Hé, hey, fais pas ça! J'avais rien à voir avec cette fusillade. J'étais que le chauffeur. Oui, mais... Tu as vu ces gens mourir. Ouais. Bien. Alors... Tu vas tout me raconter. Ensuite, tu me donneras des réponses que tu ne penses même pas avoir. L'araignée. J'adore ton look.
Mais ça m'ennuie. Jamais on va te défoncer par contre. Tu sais, les véritables araignées liquifient leur proie de l'intérieur. Tu devrais y songer. Et toi, tu es Carnage Killer. Pourquoi tu fais ça? Je comprends que tu en veuilles aux criminels, mais... Pas des criminels, des assassins. Ils ont regardé la mort dans les yeux. Que voient-ils lorsqu'ils sentent son étreinte glaciale? Quelle est leur force? Il y a tant à apprendre. T'es cinglé. Et toi, jaloux. Et pourquoi? Je réalise ce dont tu es incapable. Je sais pas de quoi tu parles. Je vais te montrer. Je peux t'apprendre à être un vrai prédateur. Une araignée digne de ce nom. Non, bah moi je vais juste des gommes. Spider-Man, je veux voir tes yeux quand tu mourras. Bah, j'ai pas l'intention de mourir en fait, c'est ça le truc. Au plus profond de toi, tu aimerais avoir la force d'être comme moi. Admets-le, laisse-toi faire. Toujours. Je viens de te faire coucher, mon gars. Non mais c'est ça. N'hésite pas. Tue-moi. Tu en crèves d'envie. Non, je ne tue pas. Et je lui avais dit que tu ne serais jamais comme moi. Oula, on a traversé le mur là. Oh, c'est bon. Tu as choisi de ne pas suivre mes conseils. Je vois que tu préfères faire comme bon te semble. Tu t'attendais à quoi au juste? Que je reste planté là à te regarder tuer ce pauvre type? Ou l'empêcher d'agir. Pour toujours. J'essaie d'éveiller l'instinct de tueur qui sommeille en toi, mon garçon. Celui que tu refoules tant. Ce n'est pas mon cas. Et ce n'est pas ce à quoi j'aspire. Jamais. Mais... il y a toujours plus grand prédateur que toi. C'est ce qu'on verra. Tu devrais apprendre à écouter les autres un petit peu quand même, trou du cul. Merci pour le voyage. Et j'espère sincèrement pouvoir vous rendre l'appareil en vous massacrant rapidement. Et sans trop de douleur. On fait une connerie, je le sens. Monsieur Cassady. Bonjour. Je m'appelle Donald Menken. Je tiens à vous dire que vous êtes un pensionnaire très important de l'Institut Ravencroft. Vous allez nous apprendre beaucoup de choses. Je vous retourne le compliment. Vous me donnerez toutes les réponses. Enthousiaste, je vois. Très bien, êtes-vous prêt à commencer? Oh oui. Bon, je sais pas ce qu'ils vont lui faire, mais bon. Ça sent pas très bon en tout cas, on va essayer de pas refaire un épisode de plus de 50 minutes, là, parce que... je peux vous assurer que le rendu, et puis surtout l'upload, après, ça fait mal. Ça fait très très mal, surtout l'upload. Parce que j'ai pas la fibre. Et j'ai pensé à prendre une clé 4G à un moment donné. Mais le problème, c'est que les abonnements coûtent une blinde. Et que chez moi, en fait, j'ai la 4G quand je suis dehors. Mais dès que je suis rentré à l'intérieur, j'ai plus de 4G. Oh putain, regardez mon niveau de menace. Oh putain.
toutes les unités, restez en alerte. Plusieurs affrontements entre des gangs ont éclaté sur les anciens territoires des Russes. On est dans la merde. Faites attention, on se croirait en plein western. Central, mes informateurs parlent d'un nouvel individu appelé le Caïd, qui essaie de profiter de la situation pour prendre le pouvoir. Personne ne connaît son véritable nom. Vous pouvez chercher plus d'informations sur lui ? Le Caïd ? Génial. Comme si j'avais besoin qu'un autre arriviste essaie de bâtir un empire. Eh ouais. En position autour du convoi. Restez attentifs. On peut lâcher ça ? Merci. Il va falloir qu'on fasse quelque chose là, parce que avec un niveau de menace comme ça, on peut pas... C'est pas possible. Ouais, il est là. Allez là. On va essayer de pas trop se faire voir non plus par les connards là. Oh putain. Un commerçant signale des troubles de l'ordre public dans son parking. Les gars, c'est vous. Bienvenue dans la cour des grands, les gars. Vous en faites pas, vous resterez pas longtemps. Allez. On va essayer de les dégommer. Non, là, il faut absolument qu'on enlève le niveau de menace, parce que niveau 2 de menace... Voilà pourquoi on me trouve génial. On va plus rien pouvoir faire, là. Tant pis, on va perdre un peu de temps. Parfois, je m'impressionne. J'ai eu vraiment peur que quelqu'un me voit vous affronter. Tant pis, on va perdre un petit peu de temps dans cet épisode, mais il va falloir qu'on fasse ça, parce que là... Spider-Man a encore démontré qu'aucun délit ne pouvait échapper à sa vigilance. Alors... Oh putain, ça baisse pas beaucoup, hein. Ce mur. Putain, je me fais niquer par ces saloperies là. Est-ce qu'ils vont me foutre la paix pour la mission? Ouais. Bon. Toc. J'ai l'impression que t'es en train d'envoyer un texto. Merde, je me suis gouré de boutons. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Allez. Bah, on se fout de ma gueule. Voilà. Allez, faut qu'on la sorte de là. Allez, je vais réussir à la sortir de là, hein. Ah bah ouais, mais si à chaque fois c'est ça, par contre on va jamais y arriver, hein. Parce que là, je vois pas comment je peux faire mieux que ça. Je peux pas bourriner le bouton plus vite. Et là, il y a un risque, c'est que si j'y arrive pas, hein, ils disent après que c'est de ma faute.
Parce que là, regardez, il se passe exactement la même scène à chaque fois. Mais là, je peux pas faire mieux que ça. Je peux pas les niquer autrement, là. Je vais essayer de les niquer autrement. Voilà, on va les niquer comme ça, hein. Voilà, et maintenant, logiquement, je devrais réussir à la sortir, la nana, quand même. Voilà! Ils n'ont plus de moyens de pression. Eh ben, c'était compliqué, mais écoutez, c'était plutôt sympa. Par contre, on est déjà à 16 minutes d'épisode, on n'a rien fait. La police annonce une baisse des vols de voitures de sport. Les criminels ayant réalisé qu'aucune ne pourra semer Spider-Man. Oh, c'est compliqué quand même. Non, il faut vraiment qu'on arrive à... faut vraiment qu'on arrive à stopper tout ça, là. Et je me fais dégommer par ces saloperies, là. Ah. Voilà, allez. Oh putain, et mon niveau de menace qui réaugmente aussi, là. Ça va être la misère comme ça à chaque fois, par contre, là. Non, parce que vraiment, j'essaye d'empêcher les gens de faire des conneries, mais... si on me laisse pas faire et qu'on m'attaque partout où je vais... je vais avoir un problème à un moment donné. Bon bah, où est-ce qu'il faut aller là? Ah bah voilà. Ah, ils sont là, ces cons là. On vient de s'évader, je peux pas y retourner. Bon, je me suis mangé un petit coup là. Bon, c'est un peu chiant là le niveau de menace. Putain, regardez mon niveau de menace, comment il a regrimpé. C'est la merde, hein. Les commerçants tiennent Spider-Man pour responsable de la baisse de la criminalité, mais aussi du regain de l'économie locale.
Ouais, mais regardez, franchement. Ça descend pas, quoi. Quand je vois comment ça augmente, regardez comment le niveau il augmente. Ça, ça va être la misère par contre. Ah, ah, ah. Bah, je crois que de toute façon ça sert à rien que j'essaye de faire baisser le niveau, hein. Si j'approche de cette bombe, je parie que je pourrais la sentir. Je dois plonger ça dans l'eau. Non mais t'as pas jeté la bombe, imbécile. Comment je la balance? Comment je la balance? Je laisserai pas tomber ceux qui ont besoin de moi. Bah comment je la balance? Putain, y a aucune touche. On te dit de la balancer dans l'eau, t'arrives au bord de l'eau, y a aucune touche. Je m'en bats les couilles en plus là. J'ai pas demandé à faire ça là. Ah, ça va me faire augmenter ça encore. Alors que j'ai même pas demandé à faire ça. Faites chier vraiment. Bah ouais, Spider-Man. Alors si tu préfères croire l'autre enfoiré de Fisk là. Tu préfères croire Fisk qui va soi-disant te protéger, bah crois Fisk, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est sympa de nous aider. On ne sait même pas ce qu'on transporte, juste que c'est dangereux. Et que les gangs le veulent. Mais de rien. Les rues de cette ville sont déjà bien assez dangereuses comme ça. Ça va être une mission à la con, ça, encore. C'est pas du genre subtil, hein. Ah oui. Allez, j'ai appuyé 10 fois sur ce putain de bouton. Bien sûr, le Daily Bugle n'a jamais de photo de moi dans des moments pareils. Waouh, j'étais au top. Qui c'est qui fait chier là? J'étais plutôt bon, pas vrai? Spider-Man, grimpez, j'ai comme l'impression qu'ils vont envoyer des renforts. Et le camion, il a déjà à manger, hein. Il y a des bombes dans des voitures. Il faut que je les désamorce. Ouyah, trop fort. Mieux vaut qu'elles explosent en l'air. Ils sont tarés les mecs, hein, quand même, hein. Des feux d'artifice pour tout le voisinage. J'ai tout fait péter là. Ouais, c'est bon.
Non mais monte dessus, putain. Non mais... Qu'est-ce qu'il me fait là ? Parfait pour une embuscade. Ouais, bon, en attendant, des plus durs que moi, mais je t'ai cassé la gueule quand même. Bien joué, Spider-Man. Venez, on doit repartir. Bon, là, mon niveau de menace, il a intérêt de baisser carrément, hein, parce que là, sans déconner. Ah! Regardez, à chaque fois j'appuie, hein. Je fais exactement ce qu'il me demande de faire. J'appuie sur la bonne touche. Voilà. Des cibles des forts, j'ai l'impression. Des bombes. Si elles explosent, ce sera un désastre. Bah, ils m'attendent pas aussi, ces cons-là. Je me demande si les criminels apprécient tous les efforts que je fais pour les dénicher. Putain, le camion il est bientôt mort. Ça c'est encore une mission, je vais devoir faire des cuts, je le sens. Parce que là le camion il est bientôt pété. Et je me demande quand est-ce qu'on va être arrivé. Ah bah c'est bon. Putain, heureusement on est arrivé. Kane, c'est pas loin. Je vais aller jeter un œil. Ma réputation a déjà ouais. assez souffert sans ajouter le vol de tableau à mon actif. 27 minutes, ok. Selon mon niveau de menace, non. Je viens d'aider les flics, mais je suis toujours un connard. Bon. Bah écoutez, on va voir, hein. Ce qui est bien en plus dans ce genre de... Ah, j'ai raté une page de comics, c'est pas grave. Dans ce genre de truc, ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment le comportement des gens dans la vraie vie, parce que... Parce que vous êtes un héros, et puis à un moment donné, la presse dit que vous êtes pas gentil et que vous êtes pas un héros, donc les mêmes gens vous insultent. C'est exactement comme ça dans la vraie vie. Hein. Allez, petit temps de chargement. Je parie que ça vaut un paquet. Pas tous. Faut suivre le plan. On attend l'araignée. Si tu rameutes les flics en déclenchant l'alarme, c'est pas le pognon qui te sauvera du caïd. Eh ouais. Ils essaient de me tendre un piège, cette bande de crétins. Dites-moi que je rêve. Ah mais ils vont peut-être y arriver, alors fais pas trop le malin. Justement, en prenant les autres pour des cons. Sinon les flics vont me coller ça sur le dos. Voyons ce que je peux faire avant qu'ils réagissent. Putain, c'est encore une mission où faut être discret. Qu'est-ce qu'on fait dans un musée? Ça craint comme endroit, ça me rappelle l'école. Vous alliez au musée en maison? Et genre, j'ai pas coupé les caméras avec l'étoile là. Non, par ici. Et nous,
Bon, je me suis foutu en plein milieu d'eux, je me suis gouré de boutons là. Elle avait tort. Félicia, ça ne me surprend même pas. Bon, j'ai pas coupé les caméras du coup. Ah, je me suis vraiment gouré de boutons, je l'ai pas fait exprès d'arriver comme un fou là. Bah ouais, mano à mano avec une arme dans les mains. Bon bah tant pis, écoutez, on va les éclater comme ça, hein. Tu n'as pas retenu la leçon, Félicia ? Qu'est-ce que je suis censée faire ? Travailler ? On rencontre Salto en costume d'araignée moulant en vendant des chaussures. Il est par ici ! T'aurais pu te mettre avec moi ! Je veux dire, t'allier à moi. Jouer les justicières, jouer les criminels. Bon, encore un trophée visiblement, enfin un succès. Travaille avec le caïd, Félicia ? Le crime organisé ? C'est pas ton genre. Allez, on va les dégommer là, tous, un par un. Parfois, on est tout simplement au top. Mais au pire, ce que je comprends pas, c'est que s'il y a les caméras de surveillance et qu'ils me voient tous les défoncer, au pire, ils vont bien se rendre compte que... Si vous suivez une fille juste parce que sa combinaison de chat lui va bien, vous risquez d'être très déçu. Tiens donc, c'est bien la première fois qu'un homme me trouve décevante. Il faut juste que tu me laisses une chance, Tisseur. J'aimerais, te faire confiance. Tu n'as pas été très sage. Hop, on va le choper. Non, c'est lui que je veux choper. Et bim. T'aurais voulu que je purge ma peine comme une gentille petite fille ? Que je sorte quand je serai toute ridée ? Très peu pour moi. Elle court vite, en tout cas. C'est le caïd qui t'a fait sortir de prison ? Il a vraiment un tel pouvoir ? C'est tout ce qui compte, hein. Le pouvoir. Le sien, le tien et le mien. Moïse, ta mère t'avait dit que tu pourrais devenir ce que tu voulais. Faut que je la cogne fort, là. J'ai appris une chose ou deux. Bon bah allez là, quand j'appuie sur la touche et qu'il se passe rien, ça me gonfle un peu par contre. T'as vu comment t'es habillée aussi ? Ah ! J'arrive à me soigner. Ça fait mal. Je vais arranger. Ah putain, j'arriverai pas à me soigner. Leçon du jour, éclater les sales types, c'est éclatant. J'aime les jeux violents. Putain, ben j'ai appuyé 10 fois sur le bouton traction toile là. Au moins 10 fois, je vais pas vous mentir, et il s'est rien passé. Ça, c'est des choses qui me rendent fou un peu, c'est quand t'appuies sur la touche 10 fois comme il te le demande et que tu crèves quand même comme une merde parce que à aucun moment ça a marché. Ça fait partie des trucs qui me rendent ouf. Allez, on s'en fout là. Plus rapide que tu le pensais, hein? Déplace toujours aussi lentement? Non mais, à quoi tu joues? Faut que j'arrive à l'allumer comme ça. T'as hâte de mettre la main sur moi, hein? Pas vrai, vilain garçon?
j'ai combattu un type. Là, voilà. Il était quand même meilleur que toi. Ne regarde pas comme ça. Bon, là, j'arrive à bien la boxer, mais elle aussi, elle arrive quand même à me toucher, là. T'es trop mignon quand t'es perdu. Bien sûr. Je vais en profiter pour faire ça, là. Oh, salope! Méchant, mais bon, tu dois bien réaliser. C'est ta faute si j'en suis arrivé là. Hop là, je suis désolé, je garde le sens de l'araignée parce que ça me permet de voir un peu ce qu'elle fait et quand. J'ai déjà dit que j'aimais bien regarder. Parfois. Putain! Je vais réussir à crever encore! Maintenant, tu sais ce qu'on ressent quand on se cache dans l'ombre. Vite, esquive! Tu fais si peu d'efforts, j'ai l'impression que tu ne me respectes pas. Allez, je l'ai esquive là, je l'ai esquive là. Ah la salope, la salope! Je suis désolé, hein, je suis pas très poli. Ah mais là, ça va quoi, j'arrive même plus à la toucher. Voilà. Je sais que ce n'est pas toi, Felicia. Dis-moi ce qu'il t'a fait. On m'a transféré à Ravencroft. Le Caïd est venu me voir. Soyons clairs, il s'agit de Wilson Fisk. Oui. Il m'a dit qu'il savait que je cherchais le pouvoir et qu'il pouvait me le donner. T'as une dette envers lui. C'est comme ça que ça marche, pas vrai? Les médecins ont mené des expériences, ils appelaient ça la manipulation génétique, le croisement d'ADN. Le croisement génétique? Tu avais vu le résultat, pourquoi t'infliger ça? T'es long à la détente. C'est pour toi que je l'ai fait. Je voulais te ressembler, pour qu'on soit ensemble. Mais le Caïd m'a menacé. Soit je te tuais, soit je mourrais. Mais j'ai pas pu. Comment j'aurais pu? Felicia, je... Je sais pas quoi dire. Ne dis rien. C'est pas ton visage qui m'intéresse. Juste tes lèvres. La police t'aidera. Tu seras protégé. Une nouvelle vie, à l'abri du Caïd. Et... Peut-être... Peut-être qu'un jour, on pourra faire connaissance comme des gens normaux. Je veux pas être comme des gens normaux. Viens avec moi. On partira loin d'ici. Avec nos pouvoirs, on pourra vivre comme des rois. Elle a chaud aux fesses. Sensation forte. Amour. Mais ça n'a pas l'air de t'attirer. Si, mais j'ai des responsabilités. Et j'en fais pas partie. T'inquiète pas pour moi. J'ai l'habitude d'avoir des méchants à mes trousses. Je peux pas te laisser partir. Fisk a la police à sa botte. Si je me fais arrêter, je suis morte. Je sais parfaitement que tu feras jamais une chose pareille, pas plus que moi. Si un jour t'as envie de prendre du bon temps, fais-moi signe. Felicia, attends! Eh ouais. Bon, elle est chaude comme une baraque à frites, comme on dit. On va s'arrêter là, pour cet épisode, je pense, parce que ça fait 40 minutes, là, pratiquement. Et ça va très bien comme ça. Parce que les trois premiers épisodes sont super longs et du coup, ils sont super lourds aussi. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Quand le temps de chargement sera fini, évidemment. Je comprends tout. Fisk s'est servi de sa brigade spéciale pour se débarrasser de tous ses rivaux et devenir le Caïd. Et le public lui en est reconnaissant. Et
signe quelques chèques et tout le monde ferme les yeux. Mais ce n'est pas seulement la brigade. Moi aussi, j'ai éliminé ses ennemis. Et celui qui m'a aidé à les traquer, c'est Kraven. Ah, il va pas s'en tirer comme ça. J'ai besoin d'informations qui m'aideront à atteindre Fisk. Et j'ai un vieil ami qui peut me les donner. Voilà. On va s'arrêter sur cette belle phrase. Donc on a fait 9 missions sur 14. Écoutez, mais vous voyez, même en faisant 9 missions sur 14 du truc principal, on est qu'à 33% du jeu. Parce qu'après, il y a tous les trucs à récupérer. Maintenant, est-ce que récupérer des pages de comics, des enregistrements, hein, ce genre de trucs, on peut vraiment considérer ça comme étant du contenu? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait les 14 missions principales, vous tournez en rond sur la map pour récupérer tous les trucs cachés. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est du jeu et du contenu? Je sais pas trop, mais en tout cas, on a fait plus de la moitié du jeu déjà dans ce quatrième épisode. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.